aujourd'hui, vidéo RTL, la deuxième partie des commentaires insultants. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir une gentillesse humaine, des commentaires motivants, dynamiques, très enrichissants. Je tiens à le préciser, c'est vraiment des commentaires qui enrichissent la culture personnelle de chacun. Sans plus attendre, je vais vous montrer quelque chose, parce que forcément, on va attaquer le palmarès. Et la personne qui aura la première place, je lui ai réservé quelque chose, c'est un sort. Il aura affaire à mon charmant MP5 SD6. Je ne suis pas stupide. Tadam ! Je le mets en place. Attention. Et maintenant, plus qu'à voir les commentaires et celui qui m'attaque, tadam ! Sera exécuté. Bon, à part faire le clown, je vais quand même me mettre à la vidéo. Donc on commence. Alors, premier commentaire, c'est de Lex83000. Alors je précise que c'est pas mon ex-copain, je ne le connais pas. Il me marque, t'es bonne, bouffe-moi le cul. On commence sévère, hein. je vous avais prévenu. La deuxième partie est très prometteuse. Deuxième commentaire, c'est de Vidal Bartoli Andrea. Alors lui, il est original, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, il m'a marqué « Oh, mais va te pendre, oh folle !» Alors en fait, celui-là, je lui avais répondu, parce que j'avais trouvé ça vraiment marrant. Et je lui avais marqué « Avec grand plaisir, si tu m'achètes la corde. » Et ben, étrangement, il ne m'a plus réécrit. Je pense que ma réflexion a dû lui faire peur, je pense. Troisième commentaire. Ah, il est sympa celui-là. C'est de Maria33000. T'as l'air d'une mongole dans tes vidéos, ma pauvre. Je ne savais pas, vu que vous regardiez une mongole. Arrête ta carrière de maquilleuse pro, parce que t'as rien d'une pro. Tes conseils sont nuls. Même moi, qui suis pas pro, j'en sais mille fois plus que toi, sûrement. Une heure pour répéter de la merde. On dirait que t'apprends à des petites filles à se maquiller. Ah 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 ah. Alors que j'apprends à des petites filles à se maquiller. D'ailleurs, je pense que les personnes qui regardent cette vidéo sont ravies d'être, comment dire, jugées en tant que petite fille. Je suis sûre que ça vous fait très plaisir. La seule chose que j'aimerais t'apprendre, Maria, en fait, c'est à écrire français, parce que je pense qu'il y a une faute en fait à chaque mot. Donc j'en sais mille fois. J'en sais, C-S-A-I-T. T'as l'air, T-A. Enfin, il y a pas mal. Tes vidéos sans S. Allez, on continue. Starlet34, ta manière de parler est trop crispante. La vraie. On attaque Matt Transparent. Matt Transparent, tu voudrais pas crier un tout petit peu plus fort par hasard? Demi Cathy Lova tout péri. Le nom à rallonge. Putain, mais elle nous prend pour des connes. Apparemment. Aïe, aïe, aïe. Alors là, préparez-vous. C'est du lourd. Crise de fou 31. En fait, je vais même pas vous le dire là, je vais vous le faire voir. Belle bouche pour sucer ça. Ça vole très très haut. Suivant. Next. Alors là, c'est très original. Toujours le même, hein, crise de fou. Il me marque « Sortez sain, salope !» Ensuite, Diabiox9. « Arrête tes vidéos de merde, tout le monde s'en branle. » Bah, si ça peut vous faire plaisir, au moins. Hein. Aïe, aïe, aïe. Sellywood. Pourquoi tu parles comme ça? Saccadé. J'ai pas l'impression de parler saccadé, mais enfin. Alors, Donalux27. Tu es très mignonne et charmante. Ah, quand même. Attention, ça va être encore plus ride après. Maintenant, tu me fais penser aux animatrices télé qui en font des tonnes pour pas grand-chose et le côté pub par-dessus. Tu vaux mieux que ça. Tu l'as déjà montré, alors what's happening, Amy? Alors là, c'est un commentaire que je comprends pas du tout puisque je ne suis partenaire d'aucune marque.
Voilà. Ça ne me dérangerait pas d'être partenaire de toute façon et je le dirais, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas partenaire donc je ne fais pas de pub, on n'achète pas mes vidéos, je vous rassure, je dis ce que je pense donc Donalus27, je ne comprends absolument pas comment dire ton commentaire. En même temps, je crois pas qu'elle me demande de comprendre. Ah oui, ah, ça c'est le genre de commentaire que j'adore. Star and Close, arrête de lire ton script, c'est trop grillé. Je n'ai qu'un appareil photo là, et en fait juste derrière vous il y a une photo de moi en vacances d'ailleurs, mais il n'y a pas de script quoi, donc je ne lis pas de script. Allez, suivante. Ah oui, j'aime bien ça aussi. Tu te calcules trop quand tu parles, c'est pénible. Casio. Oui, c'est vrai, je me calcule trop quand je parle. L'addition se fera 4744. Et en plus, elle m'écrit n'importe quoi et je réponds aussi nullement. Je suis pitoyable, autant qu'elle. Ah là là. Enfin, non, je me calcule pas, quoi. Je comprends pas qu'elle me dise que je me calcule. Ah, celui-là. Ah, il est pas mal. Écoutez bien. Alors, c'est de Rover... 1991 FN. Ah, j'avais pas vu le FN à la fin, c'est super. Espèce de sataniste. Lucifer. Franchement, je vois pas ce que j'ai de sataniste, mais bon. Voilà, c'est le pompon. Espèce de sataniste. Ils vont chercher loin des fois. Alors, celui-ci, il est bien. C'était en fait une fille qui s'appelle Adeline Makeup. Cette fille est... très intelligente et surtout très polie. J'adore les gens aussi corrects. Elle m'a envoyé en fait un message privé par rapport à ma vidéo du relooking. Alors écoutez bien. Pas besoin de t'enflammer le steak. J'avais jamais entendu quelque chose de la sorte. Pas besoin de t'enflammer le steak parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. Chacun dit ce qu'il veut. Oui, je pense qu'on est en démocratie. Donc oui, chacun dit ce qu'il veut tant qu'il ne me lynche pas. Tu t'es exprimée, je me suis exprimée, un point c'est tout. Oui, Aline, oui, tu t'es exprimée, je me suis exprimée. Tu as vraiment l'air conne comme fille. Bah oui, enfin tout le monde sait que je suis conne. À t'énerver parce que je suis d'accord avec quelqu'un qui dit qu'il y a trop de noir sur sa tenue. C'est mal, puf. J'en étais sûre de toute façon que tu allais faire la maline vieille mongole. Aïe, 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 ça va loin. Je me désabonne, mais je t'en prie Adeline, désabonne-toi. J'ai pas envie de me prendre la tête sur YouTube avec une gamine. Alors, je précise quand même que je n'ai juste que 25 ans et que cette jeune fille, il me semble, en avait 11 ou 12. Donc, voilà, sympa de se faire traiter de gamine. Remarquez, j'aime bien, ça me rajeunit. Bien sûr, tu vas encore riposter. Bah non, je ne t'ai pas répondu, en même temps là je suis en train de te répondre, mais bon, c'est pour le plaisir de mes abonnés, donc voilà, c'est juste pour eux que je le fais. Ben j'attends ta réponse, tout aussi immature que les précédentes, je savais pas qu'en fait on pouvait juger sur la maturité des gens à cet âge-là, c'est fort quand même, c'est fort en chocolat. Apparemment tu acceptes que les bonnes remarques, les mauvaises tu les refuses, c'est bien, je vois à peu près le type de mentalité. Sur ce, bonne continuation dans ta carrière en tant que, elle l'a mis entre guillemets, hein, professionnel. La prochaine fois, défoule-toi sur quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas ici pour juger, mais pour donner simplement mon avis. Je pense qu'on est tous d'accord, elle ne me juge pas du tout dans ce commentaire. Franchement, je trouve pas que c'est juger quelqu'un de dire que c'est une gamine, qu'elle est immature, qu'en plus elle a l'air conne. Non, c'est pas du tout, jugé, hein. On est tous d'accord. Allez, à bientôt Adeline. Kiss and love. Ah oui, ça j'aime bien. C'est voleur de rêve qui m'écrit « Une moche reste une moche ». Lego 93-170. Tu sais même pas te maquiller, pourquoi tu veux maquiller les autres ? Puf, pathétique. Mince, j'ai raté ma vocation et mon métier. Mister Benjamin Kuhn, t'as l'air stressé sur ta vidéo, ça ne met pas les youtubeurs à l'aise.
Sinon, tu expliques bien mais déstresses. Alors ça, vraiment, j'avais jamais remarqué que j'étais stressée sur mes vidéos. C'est sympa, je savais pas. Alors, Yann022. Pour les moches, c'est pas la peine. Halloween, c'est tous les jours de l'année. Aïe, aïe, aïe. Alors, ah oui, alors ça c'est un commentaire incohérent. C'est Éjus de tomate. Je n'ai pas l'habitude de laisser des commentaires gratuitement méchants, mais là c'est vraiment plus fort que moi. Tu atteins des sommets. Alors, commentaire suivant. Alors j'adore le nom du personnage. Le type se nomme Raymond le Travesti. T'es vraiment une belle fille. Tu roules en Porsche, c'est quoi la marque de ton taco, s'il vous plaît? MS Fafa 85. Je déteste ta façon de parler, beaucoup, beaucoup trop maniérée. Je ne veux pas regarder jusqu'au bout. Tout le monde sait que je sors de la bourgeoisie française. Attendez, je suis une personne éduquée, mon nom a une particule, donc c'est normal, quoi. Ensuite, ah j'aime bien ça. Le type s'appelle C'est moi le plus beau. Bonjour, je voudrais une épilation totale et pour pas cher en plus. Bah je sais pas, il n'y a pas marqué body minute ou esthéticienne sur ma tête, donc je ne sais pas. The Marine 3314. Salut, j'ai bien reçu ton petit message. Dis-moi, j'ai un petit service à te demander. Alors, je ne sais pas de quel message en fait elle parle puisque je ne la connais absolument pas. Je sais que ça ne se fait pas car on ne se connaît à peine, mais tu pourrais pas m'en acheter de couleur noire et me les envoyer par la poste. Après, il y a un truc que je peux te promettre, c'est de te rembourser dès que possible. Mais le truc, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas d'argent et j'habite toute seule avec ma mère et mon frère handicapé mental psychotique, ce qui fait que l'on est en plein déménagement. C'est la vidéo raconte ta life, hein, il faut pas lui en vouloir. Et que ma mère est très à sec niveau finance, elle a 400 euros de découvert et il n'y a personne pour m'aider à acheter mes extensions. Voilà, cordialement Marine. Tiens, si tu veux mon numéro. Et là, elle me laisse son numéro. Alors, ce commentaire, je l'aime beaucoup. Je trouve que vraiment, la fille qui a écrit ça, elle avait vraiment la rage contre moi. Et vous allez voir, c'est fort. Donc, c'est Virginie Chabanne. Alors, sur le make-up célébrité, en fait, j'avais fait le make-up de star de Blair Waldorf dans la série Gossip Girl, puisque j'adore Gossip Girl et que je suis fan. Et donc, j'ai voulu faire Blair et cette fille me marque. Blair Waldorf, puf, tu es ridicule. Tu as besoin de t'identifier à des starlettes alors que tu n'es pas de ce monde. Au fond de toi, tu sais pertinemment que tu n'es rien. Ah oui, autre chose, tu zozotes, tu es ridicule. Il y en a qui n'ont honte de rien. Commence par te rendre en urgence chez un orthophoniste. Ne me remercie pas. Vraiment, c'est incroyable. J'espère, Virginie, que je t'ai aidée dans ta thérapie. Je l'espère vraiment, que tu as pu exorciser ce mal que tu as en toi. Et voilà. Il y a des gens quand même. On arrive maintenant au dernier commentaire avant le palmarès. Alors, le dernier commentaire, c'est de Crise de Fou 321. Et c'est juste pour vous préparer au palmarès parce que c'est du lourd. Attention, c'est d'une vulgarité. Belle grande bouche pour éjaculer ça. C'est fou comme les hommes peuvent avoir l'esprit mal placé. Je précise quand même que je fais des vidéos de maquillage, hein. Je ne fais pas des vidéos sur un autre site, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer le commentaire et puis après, on attaque le palmarès. Alors, bonne nouvelle, on passe tout de suite au palmarès. Ça va être du lourd qui vous attend, donc préparez vos oreilles, préparez-les bien. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à entendre la personne qui est en troisième
Position. Bravo à toi, j'adore faire caca. Tu as réussi à monter sur la troisième marche du podium. J'espère que tu vas t'entraîner pour peut-être arriver en première place. Alors, j'adore faire caca. Voici ce qu'il m'a écrit. T'es bien foutu, toi. Par contre, tu racontes n'importe quoi. Tu ferais mieux de fermer ta gueule parce que tu m'as tout de suite pris la tête, toi. Ça te dit de faire connaissance d'un mec très viril comme moi. J'adore. Si vous avez un moment, si un jour vous avez envie de vomir en fait et que vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller sur sa chaîne. Il y a une vidéo juste à vomir. Vraiment à vomir. Cet homme est scatophile, donc ça vous laisse présager le pire. En tout cas, en ce qui me concerne, je m'en arrêterai là. Bravo à toi, j'adore faire caca, tu es troisième. Passons maintenant à la seconde position. Alors, en seconde position, nous avons Skaz de Habo. Imbécile, chalope, je t'encule sec, ma bite dans ton cul bébé, ma bite dans ta chatte et tu seras contente. Comment vous dire? C'est juste touchant. De voir que quelqu'un vous porte une telle affection sanguine, c'est de l'amour, ça c'est... j'adore. Donc j'ai failli le faire gagner, mais en fait je pouvais vraiment pas faire gagner ça, c'était pas commode. Il nous fallait un commentaire qui gagne avec une petite dose d'humour. Et là, désolé, Skaz de Habo, tu ne peux être que second, puisqu'il manque encore un petit peu de... je ne sais pas, d'originalité. Donc, travaille encore, peut-être que bientôt tu pourras atteindre le palmarès si tu repasses par ma chaîne. Voilà. Allez, maintenant, après cette... comment dire, ce commentaire chaleureux et aimant, passons à la première position. Alors, en fait, la première position, c'est très marrant. C'est un commentaire que j'ai eu donc sur le make-up acidulé vert et bleu. Ce make-up qui a fait beaucoup parler. Donc si vous voulez voir le lien de cette vidéo, je vous le mettrai par ici pour aller voir. Et en gros, celui qui a la palme, en fait, c'est quelqu'un qui a répondu à un autre. Et voilà ce qu'il a fait. En fait, il y a Ghostib qui me marque « Make-up ou comment ressembler à un sapin de Noël? Assumez-vous les filles ». Et en fait, là, il y a un type, et j'ai trouvé ça, mais à mourir de rire, qui a répondu, donc c'est... Jason, ou Jason, je sais pas, méga burne. Ça vous laisse envisager le truc. Et en fait, il a marqué, donc l'autre dit, tu ressembles vraiment à un sapin de Noël. Et Jason, méga burne, écrit, moi, j'y accrocherai volontiers mes boules. C'est... voilà, j'ai trouvé ça comique. Et j'avais envie de finir ce tutoriel des insultes avec une petite touche d'humour. D'ailleurs, c'est pour ça que, attention, suspense... clic, tadam ! Me voici en sapin de Noël. Alors, j'ai une petite remarque à faire. Jason, je suis un petit peu déçue. Je pensais que tes boules, comment dire, seraient un petit peu plus lourdes. Tu disais que tu avais des méga burnes, des méga boules. Mais écoute, pas top. Il m'en reste une dans la main. Un peu décevant. Je sais pas ce que vous en pensez de ces boules, mais elles sont un peu... décevante, en plus elles tiennent pas très bien. J'espère en tout cas que ces commentaires insultants vous ont plu. Moi, ça a été un vrai régal de vous présenter ça. Je trouve que c'est sympa de pouvoir échanger sur la méchanceté gratuite et le vice des gens, puisque il y a que ça à dire, quoi. Il y a des choses vraiment... voilà, les commentaires de ces personnes sont vraiment inutiles et dépourvus de sens. Un grand, grand, grand merci à toutes ces personnes qui nous ont permis de partager un bon moment ensemble, puisqu'on a bien rigolé grâce à vous, donc merci. Et quant à vous qui me suivez, ben, que vous dire merci, 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 merci pour tous vos commentaires. Ça m'a fait vraiment super plaisir, toutes vos réactions par rapport à la première vidéo. J'espère que celle-ci clôturera bien les choses et qu'elle vous plaira autant. Des gros bisous, à très très vite. Et n'oubliez pas, si vous le pouvez et si vous avez envie, de me rejoindre sur ma page Facebook pour me donner votre avis. À bientôt, ciao ciao.